Tu vas bien pousser par là, pas vrai? Eh bah oui. Ok, vous savez quoi? On y va en bourrin. Je suis sûr qu'on va pouvoir grimper sur la vigne. Ah, oh, comme ça va être beau. Ça va être superbe. Salut tout le monde, c'est Legereux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur The Unfinished Swan. J'ai adoré mon premier contact avec le jeu. En même temps, c'est Giant Sparrow, ça ne m'étonne pas. Je vous invite à me suivre pour la suite de ce voyage complètement zinzin. C'est parti! Monroe s'extirpa de l'eau et découvrit une ville gigantesque. Mais il ne voyait ni le cygne, ni âme qui vive. Enfin, à l'exception d'une énorme paire de pieds. Elle appartenait à un géant qui aurait pourtant pu l'aider à attraper le cygne. Mais malheureusement, c'était le géant le plus paresseux au monde. Et il était en congé. Après avoir festoyé gaiement, il avait sombré dans un sommeil profond et n'entendait pas les cris de Monroe. Alors qu'il cherchait un moyen de réveiller le géant, Monroe aperçut un navire qui flottait non loin. Oh, c'est beau la petite transition entre le dessin et le jeu, j'aime beaucoup. Bon, c'est très très joli, et oui, il y a clairement une parenté, enfin, on voit bien que c'est les gens qui ont fait What Remains of Edith Finch derrière, quoi. Ce symbole qui est partout, même dans l'architecture des petits bâtiments, là, il y a vraiment un côté village imaginaire du grand frère de Milton. Je trouve ça très 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 chouette. Reviens ici, saloupio! Bon, on a un ballon là-bas, mais je sais absolument pas comment traverser. Et on va trouver, je pense. Oh, je peins en bleu ce coup-ci. Oh, ça va être chouette. Ça va être très chouette. Boing. Allez, déplie-moi le pont-levis, garçon. Merci beaucoup. On va commencer par aller essayer de récupérer le ballon qui est là-bas. À moins que ce soit pas là que je sois censé aller. Mais je vois des traces. Ah, il y a toujours ce doute dans les jeux, vous savez, genre, est-ce que je prends là ou est-ce que je prends ici? C'est rageant. Attendez, je vérifie juste ce petit détail. Eh ben, je crois que j'ai bien fait. Et un ballon. Sur 28! Oh la vache! Ah oui. Je sais pas encore vraiment à quoi ils servent, mais purée, 28 ballons dans ce niveau. Y'a de quoi faire, hein. Et voyez, ça, c'est pas vraiment ma partie préférée dans les jeux vidéo. Le côté trouve les petits machins cachés. Je suis content qu'ils n'aient pas fait ça dans leur jeu suivant, What Remains of Edith Finch, parce que franchement, c'est rigolo, mais on s'en fatigue vite, je trouve, de cette mécanique. C'est pas de l'eau, tout va bien, d'accord. Là, j'arriverai pas à atteindre ce truc-là. Puis il est à nouveau monté, genre. Donc ça fait vraiment rue asséchée, en fait. D'accord. On va par là, alors. On est dans une espèce de fontaine. Oh, mais ça disparaît. Oh, merde. Ah oui, alors ça peut vite être fatigant dans ce cas-là. On peint plus à l'encre de Chine, visiblement. Hein. Avant de découvrir la peinture, le roi fabriquait des pots. D'accord. Il aimait la simplicité d'un pot bien fait. Ainsi, lorsque ses sujets se plaignirent que sa ville était trop austère et qu'il n'avait nulle part où se soulager, le roi les ignora. Mais lorsqu'ils commencèrent à se soulager dans ses pots, le roi construisit des égouts en toute hâte. Le roi, il fout pas grand-chose, hein, tant que les gens râlent pas. Hein. Je veux pas critiquer, mais tout de même, hein, majesté. Faut vous sortir les doigts. On
On a une échelle, allons voir là-haut. Donc on était dans les égouts. Soit. Et maintenant on est de l'autre côté. Ça veut dire que je suis pas du tout allé là où j'espérais aller, mais c'est pas grave. On explore, on se promène. C'est le plaisir du jeu, j'ai l'impression. Et casse-toi le ballon. Peut-être que de ce côté on peut récupérer. Il est tranquille lui, il roupille. Rien demandé à personne. Alors, nouveau truc à base de raquettes de ping-pong. D'accord, on a ouvert la digue et l'eau rentre. Ce qui va me permettre de traverser, mais oui, ah oh, c'est super. C'est super malin, dis donc. Je vais descendre gentiment par là. Youhou, youhou. Heureusement, c'est pour ça qu'il y avait un escalier que je ne pouvais pas atteindre avant. Là. Très bien, et on continue donc soit, bah là je peux rien faire, mais là je dois pouvoir sauter et atteindre maintenant l'autre rive, génial. Juste une seconde, hein. Il y a un ballon là, c'est vraiment donné. Boum boum. Et allons voir ce tunnel obscur qui fait peur. Il y a quelqu'un? Oh, merde, il y a quelqu'un effectivement, petite chauve-souris. I'm Batman. Allez, I'm Batman. Non ? C'est joli comme tout. C'est vraiment, vraiment joli comme tout. Il manque vraiment un bouton pour sprinter, mais à part ça, c'est très joli. Les échafaudages. Bon, eh bien, voyons ça. Ça, c'est réglé. De toute façon, j'avais pas d'autre chemin, donc au moins, c'est pratique. Allez, grimpe, mon petit père, grimpe. Qu'est-ce qu'on va trouver ici? On peut récupérer cette échelle, mais peut-être que sur cette plateforme, il y a des choses à faire déjà. Bah. Un ballon supplémentaire, ça fait plaisir. Donc les pots, ils servent à tenir l'échafaudage. Eh ben mon vieux, je sais pas qui est le chef de chantier, mais c'est pas brillant, hein. Allez, go. Cool. Pas très rassurant. Les toilettes. J'aime bien, même les femmes ont des moustaches. C'est trop bien. Alors. Deux secondes. Est-ce qu'il y a autre chose sur cet échafaudage? Ça m'étonnerait pas, hein. Vous voyez, en fait, c'est ça le problème avec le truc des ballons. C'est que ça génère ce genre de truc. Il faut aller chercher. Et ça sort un petit peu de l'immersion, je trouve, la plupart du temps. Et en soi, je veux dire, c'est pas comme si ça changeait ma vie, quoi. Oh, j'ai récupéré un ballon de plus. Et pourtant, j'arrive pas à m'en empêcher. Alors ça, c'est probablement parce que je suis débile, mais... Mais quand même... Après, faut admettre que le bruit du ballon de baudruche est quand même satisfaisant, quoi. Ah, moi j'aime bien. Il y a deux ballons là-bas et le cygne est parti par là, mais il a laissé des empreintes de pas ici. Il est partout, ce salaud de cygne. C'est incroyable. Si là je passe par là, je pourrais ensuite revenir sur ce petit balcon, aller de ce côté. Ah, je sais pas. Je ne sais pas du tout. D'accord, je vois l'idée. J'irai pas plus loin que ça. Soit. Donc effectivement, c'est pas brillant. Encore un coup. En revanche, là, j'imagine que ça peut être utile. Voilà. Les traces de pattes. De pattes, d'ailleurs, soit en passant. Est-ce que vous croyez que je peux? Non, je peux pas. Ah, quoique. Oh, par contre, c'est où, hein? Ouais, ne tombe pas, c'est gentil.
Boum. Ce machin là, on peut pas faire grand chose dessus. On peut passer à côté, soit. Et là, on arrive sur la grue. D'accord. Et hop, nous voilà arrivés probablement à destination. Oui, ce que je dois pouvoir passer. C'est top, c'est vraiment top. J'aime beaucoup. Boum, un ballon. Et boum, un autre ballon. Génial. Qu'est-ce qu'on a par ici? C'est la suite du patelin, d'accord. Il y a des ronces. Des petits souvenirs d'Outer Wilds qui reviennent. Visiblement, c'est ma cible. Si ça compte comme des ballons, je vais me régaler. Soit. Continuons de descendre, on va bien trouver quelque chose d'intéressant. Par là, il n'y a rien, d'accord. Là, il y a une espèce de tas de ronces. J'imagine qu'il va falloir faire couler de l'eau. Ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense. Déjà, il y a une lettre, je veux la suite de l'histoire. Plus la population augmentait, plus les ordures s'amoncelaient. Mm-hmm. Dans un accès de furie, le roi peignit sur les rues un canal qui évacua les déchets, ainsi que les enfants un peu trop lents. Mais l'eau permit aussi à la vigne de pulluler, avant de bientôt recouvrir la ville. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est? C'est une araignée, ça? Bon, il va falloir que je tire en continu, quoi. J'ai l'impression que c'est ça l'idée. J'arrive! Attention! Ah! Non, mais oh. En tout cas, j'ai trouvé une nouvelle raquette de ping-pong. Est-ce que j'ai trouvé d'autres choses intéressantes? Je suis pas sûr. On va voir ce que ça donne. Ça ouvre la porte, vous allez voir. Et pouf, l'eau arrive, comme prévu. C'est joli. D'accord. Ok, super, maintenant, où je vais, moi? Oh, que c'est malin. Yaha! Tu vas bien pousser par là, pas vrai? Eh ben oui. Ok, vous savez quoi? On y va en bourrin. Je suis sûr qu'on va pouvoir grimper sur la vigne. Ah, comme ça va être beau. Ça va être superbe. Regardez-moi ça comme ça décor, quoi. C'est génial. Vraiment génial. Là, on va continuer. Allez, la vigne, pousse, pousse, pousse. C'est génial. Maintenant, je peux grimper. Où est-ce qu'il est, ce couillon de cygne? On va se ramener plein de vignes ici. Oh, je vais pouvoir faire ça. Pas vrai? Oui. Ah, c'est joli. Ah, c'est vraiment, vraiment joli. Donc là, il pourra pas... Le végétal pourra pas passer ce truc. On est d'accord. Mais est-ce que je peux passer au-dessus de l'eau? Ah, contre le mur. Ouais, je pense que c'est ça. Ça doit être contre le mur. Tire-toi, pas beau. Voilà. Eh ben, ma pote la vigne, elle m'aura bien aidé, hein.
On grimpe. Tarzan est parmi nous, tout à fait. Merci. De ce côté-là, rien de spécial. D'accord. Tiens. Oh. D'accord. Il y a des machins qui activent des trucs comme ça tout seul. C'est sympa. Ah, c'est une baleine. Regardez, en fait. D'accord. Et genre, elle a craché. Oh, c'est mignon. Il y a vraiment plein de très jolies trouvailles. Hein. Comme toujours dans ces jeux-là, je vous allez me dire, mais... Mais vraiment. D'accord, et si ça ressemble à une base de pont, ça marche. Bon. Si t'arrêtais de t'enfuir, le signe. Mais... Oh là là. Ça passe dans le tuyau, ok. Ah bah attendez, j'avais pas vu que l'escalier faisait le tour. Autant pour moi. Grimpons. D'accord, donc là, un ballon. Oh, une liane. Alors attendez, faut pas que je me foire. Hihi ! Bah, Tarzan est bien parmi nous, effectivement. Et nous voici au palais. C'est classe. Alors, là on n'a plus de liane on dirait. Et on a cet arbre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ? Ah, on dirait oui. Cool. Ah, ça c'est le pire. Hein, d'avoir un arbre dans lequel on peut grimper comme ça. Franchement. Allez, monte. Génial. Boum. Il y a quelque chose là-bas, d'accord. Je fais un peu gaffe quand même, parce que à mon avis, c'est vite fait de tomber. Deuxième ballon. Là, on a une branche qui mène à l'escalier. J'imagine que c'est celle qu'il faut suivre. J'imagine, en tout cas. Tout simplement. Hop, 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 nous voici de l'autre côté. À nous deux, le micro-labyrinthe. Il se passe encore des trucs là-bas, mais je veux d'abord aller voir ça. Contrairement à son labyrinthe soigneusement taillé, la vigne refusait de rester là où le roi le voulait. Mmh. Il ordonna à ses sujets d'arracher toutes les branches qu'il voyait. Mais le peuple était fatigué de ses innombrables décrets. Ils commencèrent à arroser la vigne en secret dès que le roi avait le dos tourné. Mmh. Les petits sacripants. Feu d'artifice. Youhou ! Ah vas-y, décolle. Non, tu veux pas décoller. Ah. Youhou ! Pourquoi j'ai l'impression que je vais rester bien trop longtemps dans ce labyrinthe ? Poche TU. C'est pas beau, mais je triche. Ces créations ne purent jamais les galets. Ça va le boulard ? Hein ? Tranquillou ? Fais péter la porte, je te prie. Ah, par contre, tu peux peut-être juste me faire un passage au-dessus. C'était plus simple, effectivement. Alors attends, parce que là, je dois admettre que j'y vois plus grand chose. Nous sommes dans le palais, d'accord.
Il y a des vitraux, mon dieu. Donc des vitraux, des tables, ouais. Ça a l'air d'être un endroit tout à fait charmant, n'est-ce pas, Tachaïr? Oui, tout à fait. Ah! Et voici le portrait du roi. D'accord. Bon. Pas sûr que ça change grand-chose, mais il est là. Il doit bien y avoir quelque chose à faire avec ce portrait. Ah bah non, d'accord, on passe dessous, dans la cheminée. Ah, c'est malin! Ah, les coquins font des feintes. Allons rattraper le cygne. Où tu vas encore? Là-haut. Bon. On va finir par t'avoir, mon vieux. Très bien. Je crois qu'on est sorti du palais pour de bon, là. Qu'est-ce qui se passe par là? La mer. Oh. D'accord. Bon, bah déjà, il y a un ballon. J'attrape le ballon. Le roi détestait la mer. D'accord. Tout cela à cause de son premier château. C'était le seul qu'il avait failli achever, et en un seul jour. Mais la marée avait tout effacé sur son passage. Il fit alors le vœu de construire un royaume qui serait éternel. D'accord. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Oh la vache, il est immense ce niveau, hein. Il est très loin d'être fini. Qu'est-ce qu'on a par là? On dirait un personnage. Bon, là je dois pouvoir sauter. Super, c'est la séquence Yamakasi du jeu. Il y a un requin. Il y a des requins d'ailleurs. Petit. Non, ils viennent pas sur les boules. Ils sont timides. J'ai eu un petit peu peur de tomber au milieu des requins quand même. Oh, c'est très joli ces ponts comme ça là. Très 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 joli. C'est hors de portée mais c'est très joli. Regardez ce qui sort de la salle du roi. Viens là ma belle. Viens là. Il faut que je puisse grimper. Merci de me faire une échelle. Voilà, super. Et là, a priori, elle va suivre d'elle-même, je crois, non? Ah non, dommage. Eh, il y a des bons biscottos, le petit, hein? Parce qu'il peut jeter de la peinture et faire ça. Moi, je suis pas un gamin. Ça fait longtemps que je suis tombé dans les requins. Hein. Je sais pas vous. Mais... chapeau, le petit. Chapeau. Bah sautons, hein, voilà. Il faut qu'on aille par là maintenant. Rejoindre l'autre plateforme. Allez, encore un petit peu, tu peux y arriver. Génial. Là, tu nous fais un passage jusqu'ici. Ouais. Et on traverse à nouveau. Je sais pas pourquoi. Ah oui, pour atteindre le tuyau qui est là-bas. D'accord. C'est logique. Eh ben mon vieux, ça va me prendre un peu de temps. Hein. Geronimo ! Wow ! Voilà. C'est marrant, le personnage réagit. C'est assez rare que je vois ça fait de façon aussi spontanée. Il a fait oh! quand il est tombé. C'est bien fichu, hein. Vraiment bien fichu. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on a de beau? Une autre lettre. Ah, ça m'intéresse. La vigne recouvrait lentement le roi et sa ville. Quoi qu'il fasse, les efforts du souverain pour l'éliminer furent vains. Il décida alors d'une solution radicale. Pour en venir à bout,
il mélangea de la méchanceté et de la morve à du dissolvant et créa une horrible créature. Le roi ne comprit son erreur qu'en voyant le monstre dérouler ses tentacules et faire claquer ses mâchoires. Pour la première fois de sa vie, il fut terrifié. Et c'est qui va devoir nettoyer les conneries du roi, à votre avis ? C'est Bibi ! Si je suis en hauteur comme ça, peut-être que je peux atteindre... et attirer la vigne à des endroits que je ne pouvais pas arroser avant. Bon, là, ça n'a pas l'air très concluant, mais peut-être que si je suis sur l'anneau, là... peut-être que ça peut marcher. Absolument pas. Ah, mais je peux grimper le long du tuyau. Mais quelle andouille. Pourquoi j'ai pas essayé? D'accord. Et je peux grimper comme ça. En fait, j'étais absolument pas bloqué. J'étais juste stupide. Voilà. Toujours essayer. On sait jamais. Voilà les traces de notre ami le cygne. Tiens. Ah, le roi n'aime pas la vigne. Tu vas voir un peu dans quel état je vais te foutre la ville, moi. Ouais, ça porte vachement loin, c'est cool. Et hop là. Voilà, et là c'est bien arrosé partout, et là je peux passer maintenant. Génial ce tuyau d'arrosage, c'était vraiment la trouvaille du jour. Hein. Ça fait plaisir. Et puis en plus, je peux vraiment repeindre la ville de tous les côtés, quoi. Top, vraiment top. Donc maintenant, youhou, je saute. J'atteins le pont un peu tordu, même complètement bancal. Ah, c'est beau. C'est super, super beau. Vraiment super beau. J'adore. Et maintenant, on peut grimper. Ah, tu me suis, ma grande. J'ai envie que ce soit tout vert partout. Ça s'est fermé derrière moi. Même à moitié terminé, la créature n'eut aucun mal à engloutir les soldats du roi, la moitié de son zoo et trois kiosques à musique. Ce n'est qu'avec l'aide de son hippopotame et du géant que le roi réussit à la chasser vers la mer. Bien que l'eau restât noire durant des années, personne ne revit la créature sur la terre ferme. D'accord, donc on a un ennemi quelque part. Intéressant. On est dans cette espèce de salle d'armes et... oh, j'ai pas vu. J'arriverai pas à l'atteindre tant que j'aurai pas... et un petit escalier ou quelque chose comme ça, d'accord. Allez la vigne, arrête de faire la feignasse et grimpe. Je me demande ce que ça fait si on fait pousser de la vigne... ouais. Ça fait rien, d'accord. Et voilà. Suffisait de bourriner sur le truc. Là, on peut sauter là. Génial. Et nous voilà, genre, tout en haut du haut de la tour, quoi. Je vois à peu près où ils veulent en venir. Pour le moment, il y a une fenêtre. On essaye de l'atteindre. Et hop là, voilà. On va prendre le bateau et quitter le niveau, j'imagine. Est-ce que ça compte pour des ballons? Non, dommage. Ça aurait été rigolo. Qu'est-ce que c'est que ce truc complètement zinzin, quoi? Ah! Les sujets du roi déménagèrent tous du jour au lendemain. À l'exception du géant, qui était aussi loyal que paresseux. Ah, le mec, il est à la ville pour lui tout seul, quoi. D'accord.
On dirait que je peux monter sur cette caisse, mais je sais pas si c'est une excellente idée. Oh, j'avais pas vu les toasts géants là-bas. J'ai loupé un ballon visiblement aussi. Bon, peu importe. Peu importe. En tout cas, c'est beau quoi. On voit tout mon passage. C'est très joli. Vraiment, vraiment très joli. Bon, allez, je veux vraiment essayer de grimper sur cette caisse. Ça me titille trop le... Si vous avez le vertige, bah régalez-vous les amis. Hein. Ah, ça marche. On peut se promener sur la caisse. Je sais pas si on peut. Non, elle bouge pas. La suite, dans deux secondes. Bien. Nous disions donc, on n'est pas tombé et tout s'est bien passé. Là, là, là. À grimpe, couillon. On peut pas faire sonner les cloches, mais par contre on peut peut-être atteindre le bateau. Y a rien d'autre ici, hein. Non, y a rien d'autre. Et bah c'est parti, mon kiki. Il doute de rien le gosse, hein. Monroe fit ses adieux au géant et prit la mer. Quelle que soit sa vitesse, le cygne restait toujours hors de portée. Ah, quelle fripouille celui-là. Ainsi, Monroe se mit à songer que le cygne le conduisait peut-être quelque part. Ils s'enfoncèrent dans un nuage et tout s'assombrit. Ok, eh ben écoutez les amis, je vais arrêter l'épisode là-dessus. C'était encore vraiment génial, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Moi, je me régale. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu sur la vidéo si ça vous a plu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous, bien entendu, si c'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine et bonjour chez vous.